un style bien à elle. Alors que la Fashion Week de Paris a battu son plein du mardi 17 au dimanche 22 janvier, Camille Lelouch a dévoilé une tenue directement inspirée des plus grands couturiers. Ce samedi 11 février sur Instagram, l'humoriste de 36 ans a en effet publié une vidéo dans laquelle elle a défilé dans le couloir de son appartement pour dévoiler une tenue complètement farfelue. Voici ma collection Fashion Week, a-t-elle écrit en légende de son post. Sur le clip, on peut observer la comédienne en t-shirt long noir, accessoirisée de nombreux objets incontournables pour les bébés. Couche sur la tête, biberon en guise de sacoche, tétine pour remplacer ses boucles d'oreilles. La maman a fait preuve d'une grande créativité. Sans surprise, le look de Camille Lelouch a fait sensation sur le célèbre réseau social. En témoignent les nombreux commentaires de ses abonnés, à commencer par la célèbre conseillère en images, Christina Cordula. Tu me tues. Ainsi écrit la passionnée de mode. Mais ce n'est pas tout. On retrouve également d'autres messages tels que « J'adore votre humour, on adore. Bravo pour cette magnifique collection » ou encore « Je vais acheter toute la collection ». Après l'acti et le chant, il semblerait que Camille Lelouch ait trouvé une nouvelle lubie, le mannequinat. Supérieur à Chimène Badi, Camélia Jordana. Ces stars sont toutes passées par des télécrochets Camille Lelouch. Pourquoi est-elle aussi authentique sur les réseaux sociaux si Camille Lelouch n'hésite jamais à se montrer dans des mises en scène folles ou même sans maquillage sur les réseaux sociaux? C'est avant tout parce qu'elle veut rester naturelle. Car, oui, ce qui l'intéresse, si est-il humain, a-t-elle insisté auprès du Figaro, le 22 décembre dernier. Si est-il ce que je montre sur Internet depuis le début. Je voudrais dire aux jeunes filles qu'elles peuvent être belles sans avoir recours à la chirurgie, avait-elle ajouté, précisant qu'elle est une femme juste normale. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Poule agence Bestimage.